J'aimerais en fait qu'on parle un peu plus en profondeur de toi. Et puis, je sais en fait qu'hormis le côté artistique qu'on partage, tu as énormément de passions comme la bande dessinée, le manga, les films de science-fiction, les choses bien écrites, le jeu vidéo. Parle-nous un petit peu plus de tout ça. Ah, regardez. Ouais, non, je pointe parce que tu sais, pour pouvoir tourner. Regardez. Non, oui, bah, c'est comme je crois, chacun d'entre nous, on a nos passions et le jeu vidéo. Je suis tombé dedans quand j'avais 8 ans, donc un an après la musique. Mm-hmm. Et mon père avait acheté une 664 à l'époque, le premier à disquette. Je sais pas si tu te rends compte. Mon Dieu! Hey. Et puis, j'ai jamais arrêté depuis. Donc, j'ai vu toute l'évolution du jeu vidéo. J'ai été responsable d'un magasin de jeux vidéo pendant 2 ans. On faisait des jeux vidéo, des mangas et de la téléphonie. Donc, les mangas aussi, ça transparaît de ce côté-là. Et les BD, Little Kevin, c'est mon père qui achetait les fluides glaciales. Ton père, il ira au paradis? Oui, mon père ira au paradis. Juste pour ça, la Little Kevin, fluides glaciales. Tu connais pas? T'es trop jeune. C'est pas grave, ça se rattrape. Va chercher sur Internet fluides glaciales. Ils le font encore. Ah ouais? Ouais, c'est encore publié. C'est encore publié, mais il me semble en fait qu'au courant de l'année, malheureusement, nous avons perdu Coyote. Sérieux? Oui. Ah, ça, je savais pas. Pao! Ah non, je savais pas. Ah bah, on a perdu Coyote, et puis Coyote, c'est le papa de Little Kevin. Tu veux bien nous rapprocher la BD qui est là-bas? Piston et Mammouth, d'ailleurs. Ça, c'est genre la BD qu'il te faut quand tu t'ennuies et que t'as pas trop grand-chose dans le cerveau que tu veux t'instruire. Bon, pas trop, c'est pas vrai. Mais tu veux prendre une belle barre de rire, c'est ce qu'il te faut. C'est clair. Je vois aussi, en fait, je me permets en fait, de faire un bond sur le manga, et plus précisément, en fait, sur Princesse Mononoké que t'as ramené. Princesse Mononoké qui, malheureusement, vous pouvez pas le voir, vous, à la caméra, mais c'est le simple fait de prononcer Princesse Mononoké, ça me donne du frisson parce que c'est une des bandes son originales de manga la plus extraordinaire qui m'était donnée en fait d'écouter. C'est magnifique. J'ai le DVD et j'ai aussi la BO en l'album de morceaux. C'est juste les Miyazaki. Voilà.